We are at Visitalium, the new swimming pool of Château Thierry, and we are going to ask questions to Cédric, the body fitness coach. Hi Cédric, how old are you and how long have you been practicing sport? I'm 34 years old. Donc j'ai 34 ans et je pratique le sport depuis 12 ans et je suis prof de fitness depuis 10 ans. Why did you choose to become sport coach? J'ai choisi de faire ce métier-là suite à une expérience personnelle. J'ai perdu énormément de poids grâce à un coach sportif et du coup ça m'a donné envie de créer la même chose, de créer du bien-être aux autres personnes. What is the training to become a sport coach? En fait, il faut suivre une formation qui dure un an, qui donne lieu à un diplôme qui s'appelait à l'époque où moi je l'ai passé le brevet d'état métier de la forme, donc le BEMF, qui maintenant s'appelle le brevet de professionnalisation de la jeunesse et de l'enseignement populaire du sport, le BPJEPS. What do you advise to your customers before practicing sports? Ce que je conseille, c'est d'avoir une alimentation variée, mais surtout de ne pas manger juste avant l'entraînement pour éviter d'avoir en fait ce qu'on appelle un pic de glycémie. Mais voilà, d'avoir quand même du sucre dans le sang pour pouvoir tenir les entraînements complets. Have you got a special diet? Alors oui et non, en fait j'ai une façon de manger qui s'appelle la chrononutrition, donc qui est basée sur la digestion en fonction des horaires, en fonction du rythme de vie, mais je mange un peu de tout. Is it healthy to start at very young age? Alors, c'est pas déconseillé de commencer de bonne heure, mais nous, personnellement, dans le milieu du fitness, on préfère que les jeunes aient terminé leur croissance ou aient bien entamé leur pic de puberté, donc pas avant 15-16 ans. Is the food intake different for sportsmen to sportswomen? Alors non, le type d'alimentation n'est pas obligatoirement différent d'un homme à une femme. Après, c'est vraiment la quantité de consommation qui va être différente parce que le métabolisme de base d'une femme va brûler moins de calories qu'un homme. What are the best types for a healthy diet to practice? Alors après, ce qui est conseillé, c'est plutôt de tourner avec beaucoup de protéines, beaucoup de viande, de poisson, des légumes, des fruits et d'éviter de manger trop de féculents. Il faut en avoir un peu pour avoir quand même une partie sucre lent et une partie lipide, mais voilà, surtout éviter de trop en manger. And you, Cédric, what is your favorite food? Alors, quand on fait une diète dans le monde du sport, on a souvent ce qu'on appelle un cheat meal. Et c'est pour moi la partie la plus importante de la semaine. C'est ce qu'on appelle du porn food. What is a cheat meal for you? Le cheat meal, en fait, c'est ce qu'on appelle un repas plaisir. Donc, c'est un repas où on ne calcule pas le nombre de calories, on ne calcule pas spécialement si on mange du gras, si on mange du sucre. C'est vraiment. C'est vraiment le rapport avec ce qu'on appelle la porn food. Donc, c'est tout ce qui est gras, sucré et salé. Thank you, Cédric.